إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. D'abord, nous commençons par remercier Allah Azza wa Jal et exprime nos reconnaissances envers lui au faveur qu'Allah Azza wa Jal peut faire en nous. Donne-nous l'occasion pour nous joindre avec mon frère ici, dans l'endroit, avec un objectif qui nous supplie Allah Azza wa Jal, qui nous sincère. C'est pour rappeler nous-mêmes nos devoirs envers Dine Allah Azza wa Jal, envers Allah Rabbul Alamin, et aussi afin qu'il nous rende dans sa grande ayat que Allah Azza wa Jal dit hier, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Faire rappel qu'en vérité rappel du prophète Ban Mu'min. Le sujet pour aujourd'hui, il y a un sujet qui lit au fin de temps souvent, mais il y a un sujet aussi qui lit un peu autant. Nous rappelons nous-mêmes souvent, on s'en allie, afin qu'il nous comprend et nous confie concernant nos devoirs qu'Allah Azza wa Jal impose pour nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, définitivement, il finit quitte nous avec un islam qui peut n'en rien ajouter ni retirer là-dedans. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fins gagnent ça l'islam là depuis Allah Azza wa Jal à travers révélation, les fins pratiquent ça l'islam là, les fins enseignent ça l'islam là et les fins invitent vers ça. Ensuite, ben sahaba radiallahu anhum, zed fin propage asil rachon ce qui vient après zed, et ben tabi'in fin propage et fin tout l'état et là, ben qui fin sincère, qui t'y signifie. Le dîn Allah Azza wa Jal paraît pour moi quand il s'est révélé et je fais une propagande avec Banzé et Rachon ce qui vient après. Dans le sens hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec ce man sahaba, Tesma'ouna minni, certainement je fais une tente depuis moi, wa yasma'ouna minkum, et pour une bande qui pouvait après je puis tente depuis je, et ensuite il dit à bande qui pouvait après banna puis tente depuis banna. En deux mots, pour montrer qu'il s'est dit, il n'a, il peut transmettre des générations en générations. La vérité qu'Allah Azza wa Jal lui fait révéler, l'islam qui Rabbul Alamin fait révéler, il peut rester et il n'y a pas une petite chose et qu'il peut disparaître de la terre. Mais, comme Aban Ulama Rahimahumullah, je dis, qu'il prenait une époque, ou bien qu'il y a certaines époques, qu'il a vérité, lui flagrant, lui apparaît. Il y en a beaucoup d'âmes qui supportent lui, et il y a un moment qu'il a vérité, en vérité, il a faibli. Mais pas fin d'arriver dans la terre. Papa, Michel Allah Azza wa Jal, et pas pour une instant des jours, Qiyamah. C'est un moment qui, pas pour exister, la vérité dans la terre, excepté ce que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, fin informe nous concernant ce qui peut arriver juste avant Qiyamah. C'est pour ça que les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, déjà dans le sens d'un hadith qui, tous les temps, pour une banque qui peut signifier la vérité,
Et définitivement, Coran ni là, Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni là, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni là, qui tous les temps qu'on a ban qui peut signifier la vérité, c'est pour là, ban musulman, qui nous donne l'espoir d'Allah qui sincère, qui convainc de sa vérité là, qui peut saisir sa vérité là. Comme Ibn Abbas radiallahu anhuma, comme un khawarij, qui nous fait aussi concernant le jugement des bandimoun, les films fait maintenant comprendre que le Coran dans lui-même n'est pas pour capable d'avoir un jugement. Mais pour viser un bandimoun qui peut traduire le jugement Coran parmi les bandimoun. Donc la vérité dépend de qui sort ce qu'il est chini. Ou ça, il résiste dans le mushaf, ou bien il résiste dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Oui, ça c'est la vérité. Mais tous les temps, pour viser un bandimoun qui est papé, Mishallah Azza wa Jal, qui peut s'arrêter. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le premier hadith, Finden Banna, Zed Ban Kaldi, et aussi ce qui arrive avec Banna, quand on continue ferme avec sa vérité-là. Le sujet en vérité, les concernant As-Sirat al-Mustaqim. Et As-Sirat al-Mustaqim, c'est ça la vérité. Qu'Allah Azza wa Jal les fin révèle au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y trouve dans le Coran, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fin enseigne ou concernant ça, As-Sirat al-Mustaqim. Il y a un point à quel musulman il réfléchit, le As-Sirat al-Mustaqim, et il réfléchit sur des voies envers lui, afin qu'il s'allait bien en moigner, pour bien, Mishallah Azza wa Jal, pour nous tenir ferme de sa vérité là. Dans le Coran, ben frère, ben c'est qu'il y a imam. La première surah, ce qui est là. La première surah, ce qui est là, surah Fatiha. Une surah que Allah Azza wa Jal fait mettre obligatoire au nom. Pour qu'il nous lie à lui. Dans chaque rakat qu'il peut faire salat. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, déjà fait dans salat de celui qui parle de surah Fatiha. Et dans sa ayat, dans sa surah là. Et dans une ayat qui. Allah عز وجل فينا pose au nous pour nous lire, qui m'a dit à ma rahim, Allah se dit qu'il y a un pote pour nous réfléchir, qui ça c'est un dua. Un dua, en deux mots, qu'Allah عز وجل lui fait un pose au nous pour nous demander. Un dua, qu'Allah عز وجل fait un pose au nous pour nous demander. Pas une fois par jour, mais pas dans une salat, mais dans chaque rakat qu'il nous fait. Et ça doit aller, c'est « Ihdina al-sirat al-mustaqim » Guide-nous vers le chemin droit. Dans ça doit aller, c'est « Nous dit « Ihdina al-sirat al-mustaqim » En d'autres mots, nous dit « Oh, nous rab, guide-nous vers le chemin droit. » Et doua, comment nous connaît. C'est un grand ibadat dans lequel qui nous demande avec Allah Azza wa Jal qui sort ce qui voulait. Aussi longtemps qu'il n'est pas haram et qu'il n'est pas impossible pour nous. « Wa man ulama rahimahumullah sotia » Juste en parenthèse, ce qui veut dire pas impossible pour nous, c'est un djimoun qui dit « Oh Allah, fais-moi venir un prophète. » Est-ce qu'il est possible? Ou bien un djimoun qui dit « Oh Allah, fais-moi venir un ange. » C'est ça qui m'a dit l'ulama de fumer de l'enfance, qui sort, c'est qui? Il n'est pas impossible pour nous. Donc aussi longtemps qu'il peine un haram, qui sort, c'est qui n'est pas impossible pour nous, il permet pour nous demander. Et bien souvent, nous connaissons bien quand nous demandons du'a, nous demandons concernant nos dunya. Tout qui sort, c'est qui nous trouve et nous fait content. Nous commençons avec Allah Azza wa Jal nous demander. Mais ici, ça doit Allah, ce n'est pas une doigt, ce qui nous fait envie de demander, croyez volontairement pour nous. Croyez par nos propres volontés, nous fait penser, nous demander. Mais c'est un doigt qu'Allah Azza wa Jal fait impose au nom pour nous demander. Et comment nous dire? Pas une fois par jour. Mais dans chaque salat, chaque rakat qui nous dit. Nous dit, Ihdina al-sirat al-mustaqim. Si un musulman il réfléchit juste au ça, il suffit pour lui comprendre grandir à Sirat al-Mustaqim. Il suffit pour lui comprendre l'importance à Sirat al-Mustaqim. Et il suffit qu'il s'interpelle lui. Qui était à Sirat al-Mustaqim? Afin qu'il fasse des efforts pour lui marcher là. Et aussi, déjà une petite chose qui est importante quand nous concernons un doua, c'est qu'une personne qui demande un doua, lui fait des efforts. Ou pas demander du'a, comme par exemple, quand on trouve une jolie loto, ou pas assise dans ma zid, ou commence à demander, ou dire, oh Allah, mon envie, assise à loto là. Et puis attendre qu'en retour, propriétaire de loto rentre dans ma zid, dire, oh bye, ou même vous pouvez faire du'a là. Right? Alors, si vous pouvez une bonne loto avec vous.
وكمبيا كي سالي با ان برينسيپ تاع الله عز وجل لي في ميت دا نو ديس فوجو نو دي من دعاء نو فازي فو نو دي من دعاء نو فازي فو نو دي من دعاء نو فينانسي اسي سالوتو لا نو كونتاكتي بروبريتير نو ديماندي سكي لي بوفان سالوتو نو فازي فو بو نو غاي لا انشا بو ماسي سالوتو لا اكسيتيرا دونك كان نو دي من دعاء لي امبورتا parmi ban principe que الله عز وجل لي في ميت سي نو فازي فو pour nous acquérir ce que nous faisons de mal avec Allah Azza wa Jal. Donc quand nous faisons de mal à Surat al-Mustaqim, nous faisons de mal à Allah Azza wa Jal. Pour guider nous vers Surat al-Mustaqim, il n'est pas suffisant qu'un jimoun n'y a qui demande à Allah du'a pour maintenir les mains fiers, fiers, le Surat al-Mustaqim, c'est-à-dire nous faisons fiers nous là, même qui chemin nous bébrant. Non, nous faisons faire ce faux. Pour qu'il nous apprenne concernant Surat al-Mustaqim, afin qu'il nous marche sur Surat al-Mustaqim. Surtout nous dans l'époque, qui n'est pas un secret pour personne. Mais dans l'islam, si nous sommes capables d'exagérer dans le djihadi, plus qu'il y a quantité de musulmans. Mais dans la qualité de l'islam, plus qu'il y a quantité de musulmans, ce qu'il y a sur la terre. Ça, comment dire, ça, djimoun, il y en a sur l'islam pour lui-même. Et chacun peut prétendre ni sincère, chacun peut prétendre qui, sur l'islam, ni meilleur que l'autre islam. Et pourtant, رسول الله صلى الله عليه وسلم لفين دين أبك أنسل دين كيت يا الصراط المستقيم الله عز وجل ده سمين سورة لدنو بان ديتاي كي أقوت أقوت نسنا الصراط المستقيم كرب العالمين نجيا صراط الذين أنعمت عليهم شما ببان كي تفين فافافية لوزت كسنا بان كي الله عز وجل تفين فافافية لوزت Kisana, qui a la Azza wa Jal, fait des manous pour prendre comme modèle, afin qu'il nous marche sur ce dîn, afin qu'il nous pratique dîn Allah Azza wa Jal, afin qu'il nous banne ses efforts, ce qu'il nous fait, Allah Rabbul Alameen est satisfait avec ça. Si nous retournons dans Surah An-Nisa, Allah Rabbul Alameen nous dit, wa man yut'i Allah wa Rasul, fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim, min an-nabiyyin. والصديقين والشهداء والصالحين سريك وبي الله إيش رسول محمد صلى الله عليه وسلم لبواسم avec ban qu'Allah في الفافذة لوزد لبواسم avec ban qu'Allah عز وجل في الفافذة لوزد كسرنا سبنا فبن سبنا نسي لكمانس فبن نبيين بن بروفيت عليه السلام إيه لبا إن كيسو سكينو زاقط عن ديتاي فنوديا كين بروفيت les fins obéir à Allah Azza wa Jal et pas fin exister dans la vie d'un prophète qui les fins challenge comment nous dire décision à Allah Azza wa Jal ou bien dîn à Allah Rabbul Alamin mais un prophète c'est celui qui les fins obéir à Allah les fins reste à ibadat à Allah Azza wa Jal les fins évite tout qui sort ce qui provoque coller à Allah Rabbul Alamin et ensuite les fins invite Benjamin vers le principe qu'Allah Azza wa Jal fin enseigne lui pour qu'il l'insan y approche avec Allah Azza wa Jal. Déjà, As-Siddiqin, ben véridique, et meilleur véridique, c'est Abu Bakr As-Siddiq radiallahu anhu. Et sa titre là même, si nous réfléchissons là, comment As-Siddiq, comment les fingers titre As-Siddiq, lui suffit pour nous comprendre qui nous vise à faire pour nous mettre sur Sirat al-Mustaqim. C'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fins sortis depuis Mi'raj. Et quand il finit un forme du monde qui donne l'âme, il finit fait Isra et Mi'raj, ça finit faire qu'on a un scandale dans Makkah. Il y a certaines riwayas qui marchent sur qui, certaines man mouchrik Makkah, finit mettre de la main dans la tête. Comment dire, pour faire bouffon avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment dire, mettre la main dans la tête pour dire, hé, vraiment ça du monde là, il possède ou bien il fout ça. Comment il est capable il peut capable prétendre qu'il donne l'âme les fins font un voyage pareil. Et comme Ibn Ulama, rahimahumullah, je dis, comme Aïcha, radiallahu anha, les dit, premier fois qu'il finit un rida de l'islam, ben premier qu'il finit renoncer à l'islam, c'est après l'événement des Isra avec Mi'raj. C'est après l'événement des Isra avec Mi'raj, comme un djimoun, il refuse pour croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fins font Isra, les fins font Mi'raj. Comme on a informé Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anha, ben la jérie est au compagnon qui finit gagner comme ça. Attendez qu'il peut prétendre. Il dit, si il finit gagner ça, je crois là-dedans.
Si moi, je suis capable de croire, dans le fond, ma chose, c'est qu'il finit de m'amener depuis le ciel. Qui est impossible pour croire dans ce voyage, c'est qu'il finit de faire. Et avec ça, l'événement, il gagne sa grand titre à se dire, et nous connaissons qu'il y a Abou Bakr Siddiq, radiallahu anhu, c'est le meilleur du monde que l'humanité en entier finit de connaître après Ban Anbiya, alayhi salam. Pas finir dans le Umma, et pas finir dans sa Umma là aussi. Un du monde plus meilleur. Qui est Abou Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, après Ban Anbiya, alayhi salam. Et ensuite, Allah Azza wa Jal dit, après Ban Siddiqin, c'est Ban Shuhada, Ban Matiya, Ban Kifin, donne la vie pour défendre Allah Azza wa Jal. Et nous connaissons bien, dans quel moment qu'il dit, tu plus mérites pour défendre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le moment qui s'adina, tu peux commencer à propager. Et pour prendre une grande guerre qui finit dans ces bads, dans lesquels qui, ben, sahaba, radiallahu anhum, malgré le titigit, etc., ils ont fini accepté pour débout, pour défendre, dit, Allah Azza wa Jal, et ben, les autres jihad encore, ce qui finit là. Ensuite, c'est ben, salihim, ben, djimoun, pipier, et ben, adulte, pas pour une plus bon djimoun, dans l'époque, qui l'époque, plus qu'il dans l'époque, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, parmi ben, sahaba, radiallahu anhum. Ça nous pose question concernant que ça quatre catégories là. Ça quatre catégories personnes là, c'est ben du monde qui se fait obéir à Allah Azza wa Jal. C'est ben du monde qui fait soumettre devant ce qu'Allah Rabbul Alamin fait impose aux autres. C'est pas ben du monde c'est qui, qu'Allah Azza wa Jal fait déjà halal, se fait mettre en doute qui fait le halal. Que Rabbul Alamin fait déjà haram, se fait mettre en doute par dire est-ce qu'il est haram dans toute l'époque ça? Ou bien juste dans l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est haram. Tu ne vas pas me mettre en doute pas dire est-ce qu'il y a des mounes en entier les haram ça ou soit les haram juste parmi les arabes. Comment pas faire autant ni. Et comment nous dire malheureusement aujourd'hui ça fait même aussi un dialogue qui mettait le mimbar. Est-ce qu'on peut vivre dans l'Arabie là? Est-ce qu'on pareil comme un sahaba là? Bien, seule question nous poser est-ce qu'il y a la Azza wa Jal les fins de sa qu'il finit en fond nous la vérité, les faciles, tout le monde capable de mettre en pratique. Ensuite, les finit en pose nous certaines la loi qui dans certaines places qui est impossible pour mettre en pratique. C'est ça une question qui nous a proposé qu'il est une claire. Allah Azza wa Jal, les finances et nous à cela pour le mustaqim, ce chemin qui finit marcher pour ben meilleur. Et ben meilleur, je tu connais comme ben qui tu soumets à Allah Azza wa Jal et je pas fin mettre en cause ni je vais mettre en question concernant la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin descend. Nous retournons dans la Fatiha. Allah Azza wa Jal continue les gens concernant le sirat al-mustaqim. Les gens, غير المغضوب عليهم. Ce chemin-là, ce chemin, c'est pas le chemin des bannes qu'Allah Azza wa Jal finit en coller avec banna. Voilà le balin et non plus ce chemin de bannes qui est garé. Nous avons dit, catégorie du monde qu'Allah Rabbul Alamin n'est fin cité. Un, c'est ban qu'Allah Azza wa Jal finit en coller avec ce. Et deuxième, c'est ban qu'Allah Rabbul Alamin finit égard ce. Pour quelle raison qu'Allah Azza wa Jal finit en coller avec sa première catégorie là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne, nous conseille ce et sa raison là. Quand il dit ça, c'est ban juif, ban qui tient la connaissance, mais pas qui peut mettre en pratique. Et deuxième catégorie, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est ban chrétien, ban qui, je t'y peux faire ibadat Allah Azza wa Jal, mais je t'y loin avec connaissance, c'est-à-dire je fais ado Allah Azza wa Jal sans connaissance. En d'autres mots, quand nous réfléchissons, qu'Allah Azza wa Jal peut nous suivre, as-surat al-mustaqim, chemin de ban qu'Allah fin fait faveur aux autres. Et il peut y nous faire attention. Par prendre chemin de ban, qu'Allah finit en coller avec eux. Et aussi par prendre chemin de ban, qu'Allah finit gaz eux. Par ça, les facile pour nous comprendre qu'à cela, quand nous sachons, les hommes, il est dit. Chemin de ban, qu'Allah finit en faveur aux autres. Ce chemin qui peine à errer, de ban, qu'Allah Azza wa Jal finit en coller avec eux. Qui errer à ban, qu'Allah Azza wa Jal finit en coller avec eux, tu peux faire? C'est ban qui tient en connaissance, mais je ne peux pas mettre en pratique. Donc, celui qui a envie de marcher, le sirat al-mustaqim, premier qui sort, c'est qu'il est bien dans lui,
ses connaissances, il peut apprendre. Il peut apprendre concernant ce dîme. Celui qui peut en dire marche sur le sirat al-mustaqim, il n'est pas possible qu'il ait fait marche sur une qualité dîme, qu'il n'y prend qu'aucun sirat qui s'en a. Et pourtant, Allah Azza wa Jal qui nous informe nous concernant lui. Il n'est pas possible qu'il ait fait dire qu'il fait marche sur le sirat al-mustaqim, il n'est pas encore reconnu qu'il appelle shirk. Parce qu'il y a shirk dans lui-même, il fait à nous faire l'injustice envers Allah Azza wa Jal. Dans lesquels il nous prend droit, la robe de l'alamine nous donne à les yeux. Comment est-il possible qu'il nous fait prétendre, qu'il nous fait marcher sur le sirat al-mustaqim, nous prend quand même capable de connaître qui s'en a parmi sa main différents sectes qui peut prétendre que c'est la vérité, vraiment la vérité. Comment est-il possible qu'il nous encore fait prétendre, qu'il nous fait marcher sur le sirat al-mustaqim, qu'il nous fait faire ibadat Allah Azza wa Jal, pas trop tendre et ne pas faire aucun effort. Au moins pour gagner un minimum de connaissances, ce qui est important pour nous connaître dans sa bonne ibadat là. Nous pouvons faire salat par exemple. Combien parmi nous, ça interpelle nous pour mal connaître, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait faire salat? Ou bien nous fait une qualité salat, juste nous frappe dans l'air et nous dire Alhamdulillah, moi je fais mon devoir envers Allah. Tout cela, c'est bonne culture, ce qu'il y a important. Quand nous dire qui nous peut envie vraiment, ma soit salat al-mustaqim. Et déjà, c'est chemin de bonne qui peut pratiquer avec connaissance. Et là, quand on apprend ça, c'est nous comprendre qu'il y a un dîmen qui finit à apprendre la vérité, qui finit à apprendre concernant l'islam, qui finit à apprendre une sunna, il n'est pas possible si à surat al-mustaqim, ni chez Ali, qu'il a cause dîmen modélisé. Pour faire plaisir dîmen, moi quitte lui. Pour faire plaisir dîmen, moi faire le contraire, c'est qu'il semble qu'il enseigne moi. Parce qu'il est facile pour nous comprendre, mon frère, mon sœur, qu'il y a un imam. Juste nous réfléchir à une seule petite chose. Qui s'en a demain parmi les gens qui nous finissent et faisaient plaisir. Les jours qui amènent, ils communient avec Allah Azza wa Jal. Mais donne-moi un petit peu et ce fardeau me poussaille. Est-ce qu'il peut y avoir les jours qui amènent, qui pouvaient dire, qui pourtant générer envers nous, pour dire avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais la cause moi, et tu n'as mal laissé aller dans lui. La cause moi, les filles laissent tomber telle qu'il chose, mais donne-moi une partie sur le fardeau, mon poussaillé. Est-ce qu'il existait ça? Est-ce qu'il prenait ça du monde là qui pouvait faire ça pour vous? Est-ce pour qui raison nous peut faire plaisir à du monde? Nous peut apprendre, parfois nous peut apprendre, mais nous pas les mettre en pratique. Ou soit, nous cacher lui, ou bien nous dire si nous mettons en pratique, ben là, pour finir des marques, moi, est tel moi. Est-ce qu'il nous peut gagner un tracas du monde? Ou ça nous peut gagner un tracas pour aller répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, ben frère, et ben sœur qui n'a iman, si vraiment nous peut dire qu'il nous peut marcher sur le sirat al-mustaqim, pose vous-même une question. Réfléchis. Combien apprendre ou dire nous peut apprendre? Et quand on peut apprendre, combien on peut mettre en pratique? Et l'autre question encore qui est importante pour poser, c'est qui on peut pratiquer, comme dit Nazodji, qui n'a pas de doute ou sincérité, qui n'a pas de doute ou sincérité pour le moment, nous dire qu'il est vraiment ou sincère, mais c'est qui on peut pratiquer là au final, prendre ça? Est-ce que c'est qui on peut pratiquer là aujourd'hui comme dit, comme ibadat, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui finance nous, ou bien saisissez une petite chose, c'est qu'il nous fait une trappe tendée sans même qu'il nous connaisse. Est-ce que ça c'est la vérité, oui ou bien non? Est-ce comment il est possible qu'il nous dise qu'il nous fait marcher sur le sirat al-mustaqim? Parmi les informations encore que le Coran fait de nous concernant le sirat al-mustaqim, Allah Azza wa Jal, pas fait une cite sa chemin de Coran, excepté dans une forme singulière. Le sirat al-mustaqim de Coran, peine à lire au pluriel. Et ça qui veut dire ça, qui as-sirat al-mustaqim ni, li en, ni pas 10. Li en, ni pas 10. Si vraiment nous te convaincre d'un certain manuscrit qui vient souvent nous écrire, qui vient souvent nous tendre, qui vient souvent nous lire, mais tu peux bien faire des efforts pour qu'il nous réfléchisse ou ça nous mette sa bout là aussi là-dedans. On t'en dit souvent ça, mais il y a un seul Rab, un seul prophète, un seul Coran, dans une seule direction, nous tous nous faisons salat.
mais un seul surat al-mustaqim ça nous fait une brillégie, ou bien ça nous dit que chacun de notre qualité fait ce qu'il y a envie, qui fait préjugé. Qui utilisait le slogan pour dire nous un seul Rab, un seul prophète, un seul Qibla nous faire, surat, etc. Et c'est qu'Allah Azza wa Jal aussi les fins cités singulières, pas fins cités au pluriel, concernant surat al-mustaqim, ça nous fait obliger ne pas dire non rien concernant ça. ثم رب العالمين نجد صورة نعم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الله عز وجل يجيء كي سيرتين ما ساسي مو الصراط ساسي مو مو شمان اي ان لي با يو سانك يجيء لي با بيجيء يجيء ساسي مو شمان كي دوات كي مستقيم فاتبعوه سويف لي التوسط الله عز وجل يجيء ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي et pas besoin de suivre un différent chemin. Ici, il appelle une cité au pluriel parce qu'il n'est pas sur le mustaqim ça. Il y a un différent chemin que les gens font inventer. ولا تتبعوا السبل pas besoin de suivre un différent chemin فتفرق بكم عن سبيلي ça peut dédier ce depuis mon chemin qui est haine, qui n'est pas dit n'est pas différent, n'est pas plusieurs. As-sirat al-mustaqim, ou bien sa ayat là, qui trouve dans surah Na'am, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fin explique-lui avec un exemple. Quand il fin prend un bâton, il fin règle la terre, il fin dit ça, c'est le chemin Allah qui droit. Ça, c'est le chemin Allah qui droit. Ensuite, le sa chemin là, il fin faire un différent chemin qui croise lui. Il fin dit ça, c'est un souboul. Ça, c'est même différent chemin qu'Allah Azza wa Jal de fin dire « Wala tattabi'u s-subul » pas besoin de suivre un différent chemin. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « L'eau, la tête des sacs anxieux de ce même chemin là, quand ils croisent, il y a un shaytan qui peut inviter Jimon pour lui donner sa surat al-mustaqim. » Et ça, il y a un point où nous réfléchir l'eau dans le point suivant. Parce qu'il y a beaucoup de Jimon en bête musulman, concernant sa réalité là. Premièrement, mon frère, et mon sœur qui est un iman, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, talifin, trace ben différents chemins, ben souboul, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, définirait le chemin droit, une place, ensuite il finit 25 mètres après, l'autre côté, loin là-bas, il finirait ben souboul, ou soit les fins faire ça va un chemin là croise à surat al-mustaqim. Qui les fins faire? Les fins faire ça va un chemin là croise à surat al-mustaqim. Qui fait l'important ça? Parce qu'on les attend ni ça causé là. Dans ce tout, il y a une partie de la vérité. Dans ce tout, il y a une partie de la vérité. Comment il est possible de pas comme ça? Quand il peut croise avec à surat al-mustaqim. Comment il est possible de pas comme ça? Quand les peuples croisent avec le surat al-mustaqim. Pour vous avez une partie de l'islam dans lui. Définitivement. Amène sa musulman, ou ça, sa sept musulmans, qui pouvaient dire qui nous pas croire d'Allah comme Rab qui est unique. Qui vous dit les musulmans? Qui vous dit? Vous dites, il y a un kafir qui est sorti en dehors de l'islam. Si Kajani finit dire concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas dernier prophète, capable d'un prophète encore après lui, finit dire en dehors de l'islam. Alors, imagine, celui qui vient démenti, ban principe base de l'islam, ou soit ban ibadat base de l'islam, pas pour dire, vous finissez de m'appeler, vous allez dire, il n'est pas musulman ça. Vous finissez, j'allais dire, il n'est pas musulman ça. Donc, vous bisez, il n'a pas mis sa banna pour venir dire, ok, Allah nous rabbe. Vous bisez, il n'a pas mis tout ça musulman qui pour venir dire, ok, il y a cinq façons là qui sont obligatoires par jour. Que les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète, ainsi de suite. Vous bisez, il n'a dit. Mais ce qui est important pour nous réfléchir, parmi tous ces bandes musulmans qui disent Allah nous rabbe l'unique, je tout crois d'Allah d'une seule façon. Je tout crois d'Allah Azza wa Jal d'une façon qui, je tout dis qu'il existe Allah qui mérite ibadet, ou bien nous connaissons sa différence à des flagrants parmi les bandes musulmans. Donc, parmi une jeune de sa bande, critère par dire, je tout est une partie vérité là-dedans. Je tout, quand nous pouvons dire que je prenais une partie de la vérité de l'islam parmi eux. Oui, il est impossible que je paye dans lui parce que je paye bien à travers un bout de la surat al-mustaqim.
Mais est-ce que Rasulullah sallallahu est-ce qu'Allah azza wa jal et ce Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient enseigner qui une fois que tu traverses le sirat al-mustaqim là, correct, tu es un bon musulman, tu es un musulman qui peut sauver, tu es un musulman qui peut gagner jannah, ou soit bifin enseigne ou mette une ferme pour tirer le sirat al-mustaqim, ça qui nous défie. D'ailleurs, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ساس المشمل بغات سويدلي الله عز وجل جاء ولا تتبعوا السبل بابزن سويف بانجي في غشمة بابزن سويف بانجي في غشمة في المتيني avecو في نحوز بوهو si vraiment on veut faire ici tu n'y fais qu'un seul chemin et ce chemin là c'est pas un chemin qui finit choisir par n'importe qui ça non mais c'est chemin qui financé par الله عز وجل et fin expliqué par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, quand il donne ça l'exemple à qui il dit ça va me soubouler, après il n'y a aucun problème ça. Zigzaguer comme on vit. L'autre dit on prend côté droite, demain on prend côté gauche, là demain on aurait une droite, après demain on aurait fait comment dire, faire violent avec vous, demain ici, l'autre côté. C'est ça qu'il fait dire hein? Ou soit les financiers nous par dire, qui a sac, le sac chemin. Ça va un différent chemin là, quand il croise le surat al-mustaqim, et il y a un shaytan qui peut inviter ben du monde de ça. Pour qu'il y ait le surat al-mustaqim, pour qu'il nous lui dévier de ça. Pour nous prendre ben souboul, ce qui Allah Azza wa Jal fin empêche nous, pour nous prendre. Donc le surat al-mustaqim, il y a un chemin droit là. Et le surat al-mustaqim, il y a différents chemins qui croisent et qui est là, un djimoun, un shaytan, pas un djinn, pas un insan, qui peut inciter le djimoun pour qu'il nous délaisse sa surat al-mustaqim. C'est pour ça que les sahabi Hudayfa bin Yaman, radiyallahu an, dans un grand hadith qui cause pour cela fitna, dans lequel il commence par parole de Hudayfa Khalidjia, un djimoun qui peut demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cela le bien. Et moi, je fais une demande concernant le mal. Quand il demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant certaines manfitnas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nijia, qui prena ban djimoun, qui je peux prétendre, qui je peux inviter vers l'islam, mais en vérité, je peux inviter vers l'enfer. Il finissait avec les termes, puis djibout devant la porte, l'enfer. Hudhayfa ibn Yaman, radiyallahu anhu, nijia, oh, messager d'Allah, décris à moi, ban là, comment je t'ai dit? Décrire, ben là, comment je t'étais avec moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est ban djimoun qui paraît comme nous, qui cause nous langage. Dans le sens parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas pour énerve, ban qui peut inviter nous vers, pour délaisser sa surat al-mustaqim, toujours, comme peut-être une misa tani. La djimoun dit, ok, ça va une différence que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous fait manchou là, fait cause tout ban religion ça. C'est-à-dire, l'islam, c'est la vérité. Dans n'importe qui que ça a été, et ben, différent, ce qui existait là, c'est ben, les autres religions à l'Ipé n'ont rien à faire avec l'islam. Et ça, l'éclair des hadiths de Hudhayfa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Nijia, qui c'est ben djimoun, qui nous connaît, elle nous fait confiance, qui peut inviter nous vers l'islam, qui cause nous l'engage, mais en vérité, je peux dédier nous, depuis la vérité qu'Allah Azza wa Jal, les films imposent sur nous. Donc le surat al-mustaqim, c'est sa chemin droite là, mais le surat al-mustaqim est aussi croisé par un différent chemin qui l'a la tête des sacs plastiques de Péjvain et un shaytan qui peut inviter bien ça. Je termine par un grand hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donne l'exemple au surat al-mustaqim en bref. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit l'exemple du surat al-mustaqim lui paraît comme une personne qui peut inviter vers un walima d'événementsi. Et il peut dire à Benjamin, rentre, il peut débouter au chemin, il peut dire à Benjamin pour venir manger. Et il peut dire à Benjamin, rentre, mais sa place, quand il a sa walima, quand il a mangé, il dans la fin, ça coule loin là. Il dans la fin, ça coule loin là. Mais il dit à qui, de ça coule loin là, quand Benjamin peut traverser et aller, et il y a un différent, il y a un sourat, il y a un différent à la porte, à la cave, dans lequel il est capable de rentrer. Et qui, sur la porte, il est ouvert. Sur la semaine assemblée, sur la porte, il est ouvert. Et il y a un rideau qui finit d'être là-dedans.
Et ça rideau là, il y a un rideau, c'était attirant. À chaque fois que Ibn Jimoun peut rentrer, qui j'ai l'objectif, c'est à la fin de sa couloir là, quand je peux guetter ça, un rideau là, je peux attirer par ça. Et si rideau, comme on a fait du monde, si rideau, je dis comme ça, bien d'or qui est là. Nous on a fait du monde comme on a dit. Alors nous, en deux mots, nous pouvons tenter pour qu'il nous avance ça, un rideau là, pour qu'il nous rende dans la salle là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit là-haut ça et sa couloir là il y a une personne qui peut crier peut dire ô toi serviteur d'Allah pas ouvert sa rideau là pas ouvert sa rideau là car si tu ouvres tu pourras entrer là et tu pourras arriver jusqu'à ta destination. Ensuite dans la fin le prophète sallallahu alayhi wa sallam il expliquait qui était sa couloir là qui était sa banna samla ça qui fait crier mais en bref les fins de nous, ça coule ou alors c'est sera pas le mustaqim. Qui fin demande nous pour maintenir la marche ou là jusqu'à ce qu'il nous arrive dans cela faire. Parce que pas même nous dans Jannah. Mais à côté, et là, tout qualité, tentation pour qu'il nous quitte, ça coule ou alors pour qu'il nous rentre dans sa main d'assemblée. Et celui qui dit rentrer, il a dit pas pour gagner sa faveur, ce qui est là, dans sa casa, dans sa walima, sa nourriture, ce qui fait un vide, même du monde vers ça là. Alors ça, c'est. Et c'est un bon point qui est important, c'est la surat al-mustaqim, et nous terminons par ça, mon frère. En bref, nous disons, si vous avez vraiment que la surat al-mustaqim, vous avez besoin de il n'est pas possible qu'il nous dise l'islam, la surat al-mustaqim, c'est l'islam, et il n'est pas possible qu'il nous dise le meilleur musulman sans qu'il nous apprenne le dîme. Et ensuite, nous pratiquons ce qu'il nous finit apprendre. Et c'est pour ça qu'il y a certains bon ulama qui nous disent, connaître la vérité, afin que nous connaissions qui c'est qui peut marcher sur la vérité. Par contre, si nous finissons à dire nous, à la vérité, par fanatique, les accords d'un démon, qui ne peut marcher sur la motion, mais peut marcher sur la, il est facile pour qu'il nous dévie. Parce que si ça, le démon a dévié demain, nous si nous dévions ensemble avec lui, et nous dire qui c'est ça même qui la vérité. Alors ça, c'est un grand conseil. Apprendre la vérité, surtout dans nos époques. Surtout dans nos époques. Nous faisons une réflexion. Est-ce qu'on peut faire des indiens où ça cause là? Mais je tout finir à apprendre dans même l'université. Mais qui fait que je peux venir faire une différence entre eux? On des indiens où ça vous ou bien non? Si on réfléchit, on dit on des indiens où ça cause là. Mais je tout finir à apprendre dans même l'université. Qui fait que je te retourne la différence entre eux? C'est ça qui finit dire. C'est ça qui va nous aller voir finir dire. Apprendre la vérité pour connaître ça qui est la vérité. Mais par contre, quand on dit, ah, t'as une sortie de Madina Sharif, toi, right? Tu n'as assise à côté, capable de prophète, toi. C'est-à-dire, la vérité a besoin avec toi-même, là. Alors, c'est facile pour nous dévier. C'est facile pour nous dévier. Parce que, nous pas finir comme la vérité, nous fait simplement mars. Lorsqu'il nous fait croire à la vérité, par fanatisme, sans qu'il nous puisse apprendre ce qui vraiment, Allah Azza wa Jal fin impose sur nous. Donc, apprendre, faire des efforts pour nous apprendre afin que nous maintenions ferme notre surat al-mustaqim et pratiquer afin que nous venions parmi nous qui vraiment nous sincères. Pas car nous disons qu'il nous fait mars, notre surat al-mustaqim. Et Cheikh Albani, rahimahullah, lui dit comment qu'il nous peut attendre qu'il s'allait, qu'il y a une rite qui est facile et qu'il y a une rite qui compte. Car sa chemin là, il commence de dunya et cela fait les trouve de jannah, c'est-à-dire après Qiyamah. Cela fait les troncs de Jannah. Comment nous pouvons attendre qu'il a l'état du facile et comment nous pouvons attendre qu'il chemin là aussi du court. Comment une petite maman nous dit trouve, nous récompense quand nous dit qu'il nous fait mars, le surat al-mustaqim. Alors, c'est une demande avec Allah Azza wa Jal qui s'est exposé là, une profitable pour nous, s'est rappelé là, une façon pour qu'il nous motive, pour nous faire des efforts, pour nous apprendre la vérité, pour nous marcher sur la vérité. Et ce qui nous supplie Allah Azza wa Jal, qu'Allah Rabbul Alamin, les montrez-nous la vérité comme la vérité fait nous maintenir l'aura et les montrez-nous fausser comme fausser et les fait nous éviter et nous supplie Allah Azza wa Jal qu'Allah Rabbul Alamin les fait nous maintenir ferme le surat al-mustaqim juste à nous donner la respiration au surat yala et les jours qiyama les lèvres nous tous ensemble avec nous maman, nous papa, madame, enfants qui vont nous professeurs avec ban qui tous les temps de chez nous le surat al-mustaqim Allah l'ikun meyya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين.
Je vais m'appeler un tirage. Amen.